Daniel Granger, président d'Olympiques spéciaux Québec. Le mouvement Olympiques spéciaux est un mouvement social qui vise à utiliser le sport comme véhicule pour favoriser l'inclusion sociale des personnes qui présentent des déficiences intellectuelles. Mon nom est James Lapierre, directeur des sports et du développement communautaire pour Olympiques spéciaux Québec. Olympiques spéciaux Québec est une fédération sportive, un organisme qui a comme mandat de promouvoir par le sport la vie des personnes vivant avec une déficience intellectuelle. Je m'appelle Annie Pelletier, je suis la marraine d'honneur d'Olympiques spéciaux Québec depuis 1998. Une marraine, ça appuie les athlètes, ça s'attache à eux, ça apprend à les connaître, ça parle du mouvement un peu partout dans les médias. Partout où je peux parler de ce mouvement-là d'Olympiques spéciaux Québec, je le fais avec cœur, avec passion, avec conviction. Une marraine, ça va sur les sites de compétition quand il y a des championnats provinciaux ici un peu partout au Québec. Ça répond à des courriels et des messages Facebook de jeunes athlètes spéciaux. Ça répond des fois à certaines demandes en mariage. Très, très drôle. Ça m'est arrivé à quelques reprises déjà. Qu'est-ce que ça fait aussi? Je vais à l'aéroport quand ils arrivent de compétition, quand ils partent en compétition pour aller les encourager, les féliciter, prendre des photos, regarder leurs médailles, leur demander comment ça a été. Vraiment les prendre comme des athlètes à part entière, puis de les traiter exactement comme moi j'ai été traitée dans toute ma carrière. Donc avec sérieux et puis avec encadrement et avec respect. Alors, Olympiques spéciaux Québec est une fédération sportive, un organisme qui a comme mandat de promouvoir par le sport la vie des personnes vivant avec une déficience intellectuelle. Notre objectif, c'est d'encourager les gens vivant avec une déficience intellectuelle à faire du sport. Donc, on a 17 sports de disponibles, dont 10 sports d'été. Et à tous les 4 ans, il y a un grand rassemblement provincial au Québec qui se passe, où on rassemble environ 700 athlètes et 300 entraîneurs afin de faire notre version des Jeux olympiques, donc les Olympiques spéciaux, et de permettre à ces athlètes-là de vivre exactement l'expérience olympique. Traitez cette clientèle-là comme des athlètes, habillez-les comme des athlètes, faites-les manger comme des athlètes, et ils vont évoluer comme n'importe quel autre. Et maintenant, on est rendu où ce que le mouvement il a tellement pris de l'ampleur et il a tellement, à mon avis, encore de la place à évoluer. Mais les parents qui ont des jeunes trisomiques ou en déficience intellectuelle ne sont plus gênés de montrer ou d'afficher que mon enfant est déficient intellectuel. Les Olympiques spéciaux, c'est comme une grande famille. Là. Tout le monde se rencontre, tout le monde est content de se rencontrer. La déficience intellectuelle est le dénominateur commun chez nous. Si on a une déficience intellectuelle, on est éligible pour participer aux Olympiques spéciaux. Mais également, on a des athlètes qui vivent avec un handicap physique, mais à la base, s'ils ont une déficience intellectuelle, ils sont éligibles chez nous. Et c'est pour ça qu'en venant à nos Jeux, on va voir peut-être des athlètes qui compétitionnent en fauteuil roulant ou qui se promènent avec une marchette ou qui ont une certaine mobilité réduite. C'est bien, on les accepte, ils peuvent compétitionner chez nous. Mais à la base, ces personnes-là vivent avec une déficience intellectuelle. Les athlètes ont un minimum de 12 ans en termes d'âge. Donc, c'est le minimum de 12 ans et ça peut aller jusque dans les 60 ans. La manière qu'on classifie nos compétitions, ça commence avec le genre. Pour les sports individuels, ça commence avec le genre. Donc, gars contre gars, fille contre fille. Ensuite, après ça, c'est le groupe d'âge. On a 3 groupes d'âge, donc 21 ans et moins, 22 à 29 ans et 30 ans et plus. Et également, ensuite, le niveau d'habileté. Parce qu'on va s'assurer que la personne qui va courir un 100 mètres en 13 secondes ne court pas pour la médaille d'or contre un athlète qui va peut-être courir la même distance en 50 secondes. C'est sûr, c'est le sport. Donc, en quelque part, il faut qu'il y ait un gagnant, il faut qu'il y ait un perdant. Mais ça fait partie du sport, ça. Apprendre à gagner, apprendre à perdre. Il y en a qui sont pas toujours contents, qui ont perdu, mais ça encore, apprendre à composer avec la défaite, bien, ça fait partie également du processus de ce qu'on veut faire vivre aux gens. Les Jeux spéciaux, c'est l'authenticité. C'est
On ne peut pas avoir plus authentique que ces athlètes-là dans leur façon d'aborder ces Jeux-là, dans leur façon de compétitionner, dans leur façon de se respecter les uns les autres et de vouloir donner à fond tout ce qu'ils ont. On a beaucoup progressé. Il est indéniable que, finalement, par exemple, les jeunes générations sont beaucoup plus ouvertes. Mais bien sûr qu'il reste encore beaucoup de choses à faire, notamment au niveau de l'inclusion sociale, au niveau de la participation de ces personnes-là. On a une sorte de présomption que ces personnes, souvent, on ne peut pas les intégrer vraiment dans la société, on ne peut pas les inclure, finalement, dans le fonctionnement. Or, c'est faux pour la très grande majorité d'entre elles. Elles ont des capacités de travailler, d'occuper des fonctions, de remplir des tâches, de vivre de manière autonome. Seule une infime minorité d'entre elles auront besoin, bien sûr, d'un support un peu institutionnel plus important. Et donc, notre rôle, c'est d'aider à travers le sport, de démontrer que si ces gens arrivent à faire ça sur un terrain ou dans une piscine, ils sont peut-être capables de faire pas mal d'autres choses dans leur vie. Puis à travers ça, on va essayer de leur développer aussi des meilleures habitudes de vie, finalement, au niveau de leur alimentation, de contrôle de leur poids, etc. Je suis allée chez Louis la semaine passée et il vit en appartement. Il est autonome. J'ai rarement vu un gars être aussi propre que ça. I'm talking about your apartment, Louis. Yeah. C'est un gars qui est très, très, très ordonné. Not very far from here. Oui. Not very far from my gym. Et lui, il vit seul, il est autonome, il fait ses choses lui-même et il est très, 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 très bien organisé, je dois vous dire. Ça pourrait donner des belles leçons à plusieurs. Le sport va améliorer, va toucher les athlètes dans plein de côtés de leur personnalité, autant dans leur confiance en eux, leur estime d'eux-mêmes, leur... Tu sais, quand t'es plus en forme, là, quand tu sens que t'es plus fort, t'es plus flexible, puis t'es plus valorisé aussi par les performances que t'es capable de faire, bien, ça t'aide à aller vers les autres, puis à parler de tes performances, à montrer tes trophées, tes médailles. Et c'est ça, te faire des amis aussi, de prendre confiance, puis de OK, bien là, maintenant, dans le sport, j'étais capable de faire ça. Maintenant, est-ce que vivre en appartement, pour moi, ce serait... possible, faisable, est-ce que c'est réaliste, avec peut-être du soutien, de l'encadrement. C'est juste de repousser toujours leurs limites et de voir qu'ils ne sont pas confinés à rester entre quatre murs, à regarder la télé ou à juste faire du Facebook. Il y a d'autres champs d'activité où on peut exceller, performer, apprendre sur soi et devenir la meilleure personne qu'on est capable d'être. Là, ils prennent confiance en eux, puis après ça, je trouve que ça leur permet d'aller plus loin, de grandir, de mieux s'intégrer dans la société. Les gens les voient, les gens du public qui viennent, ils les voient plus pareils quand ils les voient passer sur la rue. Les parents, quand ils viennent à la première compétition de leur enfant, puis que, tu sais, puis ils gagnent des médailles, ils sont tellement fiers, tu sais. Hein? J'avais une athlète cette année, puis les parents, ils étaient... Il est en larmes aussi. C'est le fun. Ouais. Moi, j'ai un frère qui vit avec une déficience intellectuelle. Il a 50 ans. Il s'appelle Michel Pelletier, évidemment. Et mon frère, c'est un grand, grand joueur de quilles, de bowling. Et il est même meilleur que tout le monde dans la famille. Là. C'est inouï là, de comment il a développé en 20 ans ce talent-là et ces habiletés-là, malgré une vision qui est très, très réduite et une orientation spatiale et une mobilité aussi, une dextérité, coordination qui est beaucoup en deçà de la moyenne des gens normaux et réguliers. Donc, lui, il a vraiment développé une façon là, de tenir sa boule là, puis de lancer ça. Et ce qui m'a apporté et ce qui m'apporte toujours, bien, c'est l'inspiration de se battre pour atteindre des petits objectifs pour nous, mais pour lui, c'est si un défi en soi. Et donc ça, c'est inspirant de voir qu'il se bat pour atteindre des objectifs, mais aussi pour accepter sa situation. Ces gens-là, ils ont avant tout, on a tendance à dire des déficiences, etc., mais avant tout, ils ont des habiletés. Et ils ont des habiletés, en fait, qui ont réussi à aller chercher que beaucoup de gens dans la population générale n'ont pas, ne seraient pas capables d'aller chercher. Parce qu'ils vivent avec ce défi constant tous les jours, ils s'acharnent à essayer de se dépasser et souvent ils découvrent des méthodes d'adaptation qui font qu'ils dépassent les attentes qu'on pourrait même avoir, pas seulement pour eux, mais pour la population en général. Mais arrivé à un certain point, nos athlètes, on veut qu'ils aient l'occasion
de vivre une expérience sportive compétitive. Et quand on parle d'une expérience sportive compétitive, on n'a pas le choix que d'appliquer de la réglementation et d'avoir certains standards. Certains standards tant au niveau de la réglementation sportive, bien sûr, mais également des standards en termes du décorum. Si on parle de l'arrivée de la flamme des Olympiques spéciaux, c'est traditionnel que ce sont les policiers, les agents de la paix qui sont les protecteurs de la flamme et qui, eux, vont arriver avec le flambeau olympique dans l'aréna ou dans le stade. Et c'est très important pour nous, cette tradition-là. Et c'est très important pour nous que les athlètes comprennent qu'il y a des traditions associées au sport et que c'est pas juste... un événement sportif, c'est pas juste de la réglementation sportive. Ce que j'ai aimé le plus dans les Jeux, c'était les compétitions. Parce que les compétitions, ils étaient vraiment très bien organisées. C'est toujours une expérience extraordinaire de participer à des Jeux comme ça parce que ces Jeux-là, on voit dans le visage des athlètes, c'est l'aboutissement de mois et d'années d'efforts, finalement, qui sont récompensés. Ils s'en viennent s'amuser, mais ils s'en viennent aussi de donner le meilleur d'eux-mêmes à ces compétitions-là. Et pour tous ces bénévoles qui, généralement, travaillent jour et nuit presque durant ces compétitions-là, il y a une grande satisfaction de faire vivre à ces athlètes-là une expérience inouïe. On voit que ces athlètes-là sont en train de vivre une nouvelle expérience totalement spéciale et qui sont en train de découvrir un côté d'eux-mêmes qu'ils n'ont pas eu avant. On a des athlètes également qui ont vécu des Jeux, puis ils reviennent, c'est leur deuxième, troisième Jeu. Et ceux-là, on est heureux de les voir, ils font partie de la famille. Mais quand on voit un athlète, un plus jeune, qui vit ça pour la première fois, c'est extrêmement spécial pour nous. Il y en a là-dedans, ça se pourrait que ça soit leur seul moment dans leur vie. On espère que ce ne sera pas le seul. Mais il y en a peut-être que ce sera leur moment le plus important dans leur vie qu'ils vont vivre. Pour nous autres, c'est juste un autre événement, un autre Jeu. C'est important, c'est agréable, oui, mais c'est ça. Mais pour eux, là, c'est tellement important. Alors, j'ai dit, ça m'a fait replacer les choses à bonne place. Je me dis que moi, maintenant, quand je vais dans un événement, pour cet athlète-là, pour le parent de cet athlète-là qui voit le jeune exécuter pour la première fois dans un contexte sportif, c'est peut-être un moment là, le plus important pour eux autres. Et il faut respecter ça. Moi, étant donné que je suis impliquée depuis 16 ans, il y en a que j'ai vu qu'ils avaient comme 7, 8, 9 ans la première fois que je les ai rencontrés, en 1998-99. Et je les ai vus évoluer. J'ai vu comment leur personnalité s'est vraiment forgée autour du sport, autour de tout ce que le sport leur a amené. Ils reviennent presque toujours avec une ou des médailles. Et c'est fantastique de voir leurs yeux s'illuminer quand ils reçoivent leurs médailles. Ah, c'est le plus beau moment quand on voit la remise des médailles. Là, pour moi, quand on était au jeu à Pointe-Claire, justement, peu importe les gagnants, pour moi, c'est toujours magique là, de voir leur visage, puis la réaction, là, le « yes ». Je trouve ça tellement beau. Là. Je trouve ça très touchant. On a un bel esprit d'équipe, on encourage tout le monde, puis on leur dit bravo pour tes médailles, bravo pour tes performances. Le sport, oui, très important. La socialisation est très importante. Regroupement, ce sens d'appartenance à un club qui est très important pour eux autres. Et ils vivent autant des émotions fortes, hautes, basses. Les entraîneurs, la même chose. C'est tellement facile de travailler avec eux autres. C'est tellement simple, c'est tellement... au niveau de la gratification, bien, ça revient... c'est tout automatique. On en donne ça, puis on en retire à peu près ça à ce niveau-là. Dans nos vies, on a tous des moments difficiles. Puis j'en ai déjà vécu, moi aussi, des moments difficiles comme un peu n'importe qui, des périodes assez sombres. Puis je peux avouer candidement que s'ils n'avaient pas été là, ces jeunes-là,
Je ne sais pas vers quoi je me serais raccrochée à une certaine période de ma vie. J'ai vraiment eu cet éclair-là, à un moment donné, dans une de ces périodes-là qui a été difficile, de me dire que je ne pouvais pas les abandonner, que je ne pouvais pas les quitter, puis il fallait que je sois là à la prochaine compétition, puis au prochain rendez-vous, puis qu'ils comptaient sur moi. J'étais importante pour eux et qu'ils étaient importants pour moi. Donc ça a été la plus grande leçon de vie, c'est de voir... Eux autres, ils me disent souvent hey, « merci d'être là pour nous », mais moi, je leur répète toujours « mais merci d'être là pour moi aussi ». Parce que les autres sont peut-être moins conscients de l'impact, tu sais, parce que c'est moi qui leur remets une médaille, mais à chaque fois que je leur remets une médaille, c'est comme ça me donne un baume aussi sur mon cœur. Tu sais, ça a enrichi beaucoup, beaucoup mon cœur depuis 16 ans. Donc, la plus grande leçon de vie que j'ai pu apprendre, c'est qu'en donnant, on reçoit tellement plus que ce qu'on peut bien souvent donner à quelqu'un. C'est indispensable d'avoir le soutien des personnalités publiques. Oui. Oui, parce que il faut ouvrir les portes. Puis c'est les personnes, souvent, comme Annie Pelletier, qui est une très belle ambassadrice à mon point de vue. Moi, je l'ai vue en action avec les jeunes, comment elle est, à quel cœur. Les gens la connaissent. Pour les gens qui la voient comme une médaillée olympique, qui voient qu'une personne comme elle, une athlète haut niveau, donne l'attention aux Olympiques spéciaux, c'est très important. Ça montre qu'il faut s'impliquer avec ces gens-là. Si j'avais à résumer l'esprit d'Olympiques spéciaux Québec, ce serait vraiment la phrase qu'ils ont le droit de rêver. Rêver d'être qui ils veulent, rêver de faire ce qu'ils veulent, rêver d'atteindre des objectifs, rêver de monter sur des podiums, rêver de se faire des amis. Si j'avais à résumer les Jeux en un mot, c'est un mot, c'est passion. Les Jeux spéciaux, c'est comme une grande expérience d'amour, finalement.